Tu ne me crois pas? Non! Je t'assure que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux. Non, mais je t'assure, crois-moi, Irène. Je serai vraiment satisfaite quand je vais enfin signer avec cette ONG, vraiment. Attends, qu'est-ce que ton homme pense de tout ça? Qu'est-ce qu'il ressent à ce sujet? Tu parles de Thompson? Tu avais un autre homme avant, oh, ouais. Ouais, ils sont tous pareils. Écoute-moi. Les femmes et les chats feront toujours ce qu'ils veulent. Mais les hommes et les chiens devraient juste se contenter de remuer la queue ou d'aller chercher leur nonos, tu m'as comprise? Eh ben, eh, ma chérie. Allez, tu sais que j'ai raison, Irène. Ouais, ouais. Salut, bébé. Ah, j'ai mis un cheveu dans mon verre. Arrête, il est là. Ah, ok, ça marche. Bonsoir, monsieur Thompson. Thompson? C'est bon, je vais y aller. T'inquiète, j'y vais. Non. Je ne sais même pas quelle heure il est. S'il te plaît, reste. Regarde, il est à peine 20h. Mais je dois y aller. Oh, d'accord. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Attends, attends. Je suis désolée, c'est juste un idiot. Grace, ce n'est pas grave. Juste appelle-moi plus tard quand tu pourras, ouais. Ok? Je suis désolée, ok? Ça marche, on s'appelle. Faut qu'on se fasse une sortie, un de ces quatre. Ça marche. Eh, eh, on ira danser, ok? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Hein? Quoi? Arrête, ne fais pas comme si de rien n'était. Regarde comment tu as traité mon ami, tu te rends compte? Ne fais pas comme si t'étais étonnée, tu sais très bien ce que je pense de ton ami. Et qu'est-ce que tu le reproches au juste à mon ami? Dis-moi. Je pense pas que tu veuilles le savoir. S'il te plaît, Thompson, je veux savoir pourquoi tu détestes autant Irène, s'il te plaît. Tu vois? Tu la détestes, et sans raison en plus. Tu m'as vraiment fait honte, je suis vraiment déçue. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé de la façon dont j'ai agi envers ton ami. Mais tu es conscient qu'Irène est ma seule et unique amie. Est-ce que tu m'as déjà vue avec quelqu'un d'autre? Je suis désolé. Ça se reproduira plus. Je suis vraiment désolé. J'espère bien. T'inquiète pas. Tu m'as manqué. 2 minutes loin de toi, c'est l'enfer. Je suis fou de toi. Je vois que tu fais ta valise. Ouais. Ok. Donc, tu vas rester là-bas combien de temps? Eh bien, environ une semaine. Ou dès que j'aurai réussi à conclure l'affaire avec mon client. Une semaine? Eh oui. Tu veux pas plutôt dire un an? Non. D'accord, donc, est-ce que je... Est-ce que tu penses que j'aurai l'argent que je t'ai demandé demain? Hein? Allez, bébé, s'il te plaît, tu sais très bien que je t'ai parlé d'une affaire que je souhaitais commencer. Oh, non, sérieusement, je n'aime pas trop l'idée de cette... affaire de transport maritime que tu veux commencer. Hein? Le risque que tu prends est beaucoup trop élevé. Mais c'est justement ça! Plus il y a de risques, et plus t'es récompensé. Allez, bébé, tu sais très bien comment ça marche. Non, bébé, c'est pas la première fois que je te donne de l'argent pour commencer une affaire et que tu foires tout en plus. Non, compte pas sur moi, c'est fini. Écoute-moi, bébé. Celle-là est différente. D'accord? Je vais te montrer que je ne vais pas te décevoir. D'accord.
Est-ce que ce serait un oui? C'est bon, Thompson, je te donnerai un chèque demain. Je t'adore, bébé. Je t'adore aussi. T'es vraiment la plus belle. J'aime cette femme. Oui, mais moi je t'aime beaucoup plus, c'est sûr. Ok, c'est bon, bébé. Attends, j'arrive. Tu sais pas à quel point je suis impatient. Oh, tu es impatient, mon bébé. Attends, j'arrive. Ok. Ça y est, t'es prête? Ouais, ok. On va aller prendre une petite douche, d'accord? Mais avant ça... Tu es super belle. Ah, merci. Je suis sûre que tu seras une maman magnifique. N'est-ce pas? Alors, par quoi on commence? Qu'est-ce que tu dirais d'un massage? Ouais, un massage où tu sais. Ah, j'ai compris. Ok, pas de soucis. Gracie, Gracie! Ouais, ça fait longtemps, comment tu vas? Attends. Tu devrais être à l'aéroport, là, non? Ah, d'accord. Tu vas trop me manquer, tu vas partir là-bas toute seule sans moi. Ne te fais aucune nouvelle amie, si tu te fais une nouvelle amie. Non. Ma mère, je ne sais pas, ma mère m'a appelée et elle est malade, donc je pense que je vais passer un peu de temps avec elle. Ouais, cette femme est courageuse, elle m'impressionne de jour en jour, je te jure. Enfin bref, tu vas trop manquer, ma chérie. Ouais, amuse-toi bien, vas-y. D'accord, bye, je t'aime. Gracie, Gracie. Et ces bouchons qui n'en finissent pas, c'est pas possible. J'ai pas que ça à faire. Oh, bouge, allez! Hein? C'est ma chanson? J'adore cette chanson! Qu'est-ce qu'il fait là, lui, au milieu de la route? Hein? Je vais me sentir seule sans toi. Bébé, je serai bientôt de retour. Je sais tout ça, mais tu comprends. Une semaine, c'est comme une année entière pour moi. Oh, c'est mignon. Est-ce que je vais te manquer? Oui, bien sûr que tu vas me manquer. Bébé. Oui? Désolé de te rappeler ça, mais tu n'as pas oublié quelque chose? Quoi? Tu sais bien, l'argent. Oui. Vraiment, tu n'as pas intérêt à te foirer cette fois-ci. Allons, je t'ai déjà expliqué. Laisse-moi m'occuper de ta valise. Ok. Hey, Ifiot! Bébé, mets le montant que tu veux, ça ira. Oui, oui. Il est où, ce mec? Hey, Ifiot! Ouvre la porte! Écoute-moi, t'as pas intérêt à te foirer, on est d'accord, ok? T'en fais pas, je t'ai dit que j'allais pas me foirer. Waouh, t'es vraiment la meilleure. Je dois y aller. La plus belle et la meilleure. Je sais. Je suis les meilleurs. Dites-moi que je suis doué. J'ai enfin son
marchand. Oh ouais. Ta-da. Ah. Je l'ai finalement eu. J'ai enfin obtenu son argent. Salut bébé. Ouais, elle est partie. Elle vient de sortir. Tu peux venir maintenant. Je sais. Je t'attends ici, ok? Monsieur a été payé. J'arrive. Qui tape comme ça? Ah, madame, je ne savais pas que c'était vous. Bonjour, bonjour, comment ça va? Oh, moi ça va toujours, vous savez. Ah, merci, c'est gentil. Ok, on se voit tout à l'heure. Okay. Salut. Quelle femme, quand même. Attends, j'ai pas saisi, là. Madame Grace est partie pour un moment, alors pourquoi elle est là, hein? Il y a un truc que je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas... Si elle vient, elle va se retrouver toute seule avec Monsieur Thompson. C'est pas logique, ce qui se passe. Madame Grace s'en va, et son ami vient quand même chez elle. J'ai pas vraiment tout compris, mais ça sent pas très bon dans cette maison. Sacré Monsieur Thompson. Yes. Ah, je crois savoir qui c'est. Ouais, je m'en doutais. Salut, beau gosse. Regarde-toi. Regarde comme tu es belle. Je me suis habillée pour toi, bébé. Comment ça va? Je vais bien, merci, bébé. Tu es vraiment splendide. Tu peux me dire ça encore? Tu m'as manqué. Pourquoi tu me regardes comme ça? Assieds-toi, je t'en prie. Attends, avant de m'asseoir, je veux te montrer à quel point tu m'as manqué. Ok, maintenant je vais m'asseoir. Avant que je n'oublie, qu'est-ce que je te sers à boire? Voyons voir, je pense que je veux un peu de vin. D'accord, du vin. Ceci est l'un des meilleurs vins d'Italie, crois-moi. Non, mais tu t'entends? C'est l'un des meilleurs vins d'Italie. Tiens, c'est pour toi. Je t'assure, tu vas l'adorer. Bébé, il y a de l'eau dans le verre. Ah, désolé. Voilà. Tu as du rouge à lèvres sur le visage. Ah bon? Mon Dieu. Ok. Tu ressembles à Viola Davis. Je vais en renverser partout. C'est qui, lui? Oh mon Dieu, tu ne la connais pas? Quelle honte! Santé, bébé. Oui, à nous. À cette opportunité. C'est vraiment bon. Tu aimes? D'accord. Alors? Alors? Dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Bien sûr que tu m'as manqué. Toi aussi. Mais il y a autre chose aussi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a manqué? Ce qui m'a manqué, c'est cette chose agréable que tu fais si bien. Oui, c'est ça. Attention. Attends, je dois enlever mes chaussures. Laisse-moi t'aider. Je pense qu'on devrait arrêter de boire. Oh mon Dieu! Je crois qu'on a cassé la bouteille. Mais on s'en fout.
C'est qui ? Ah, madame, ça va ? Bienvenue, madame. Allez-y. Ah. C'était quoi ça ? C'est qui ? Ah. Je suis sûr que c'est ma femme. Ta femme ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a peut-être oublié quelque chose. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Prends ça, ouais. Oh, prends non. Ça, s'il te plaît. Et ça aussi. Oh. Allez. Doucement. Par ici. Oh putain. Oh, c'est pas vrai. Écoute, reste ici, d'accord? Okay. Ne bouge surtout pas. Reste ici. Reste. Je vais fermer la porte et je reviens. Qui est là? Merde. Voilà. Oui, j'arrive. Salut. Salut. Pourquoi tu m'as pas dit que t'arrivais? Laisse-moi entrer d'abord. Bien sûr, entre. Je t'ai manqué. Bien sûr, bébé. Merci. Entre, viens. Est-ce que tu vas bien, bébé? Bien sûr que je vais bien. Alors? Ah, viens ici. Tu es en sueur, dis donc, qu'est-ce que tu faisais? Ah, rien, je... un peu de bricolage. Allô? Quoi, attendez, je ne comprends pas. Attendez, comment ça le séminaire a été reporté? C'est vraiment un manque de professionnalisme. Vous faites ça sans penser à nos clients et à notre réputation. Non, mais je rêve. Bébé, est-ce que tu as l'argent avec toi? Tu me fais confiance? Oh, mon bébé. Tu sais que tu es le meilleur. Je sais. Tu as un amour. Merci beaucoup. Tu sais que t'as pas besoin de me remercier, voyons. Est-ce que tu sais que t'es la plus belle de l'univers? Regarde la lumière de tes yeux, le sourire sur tes lèvres. Il capture mon cœur. Tu parles trop. Je sais, madame. T'as qu'à me faire taire. C'était qui? Personne. Y a intérêt, ouais. C'est le cas.
ces appels. Bébé, ça va? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, tu peux me rapporter quelque chose à boire? Oui. De l'eau ou un truc, hein? Salut, mon amour. Oui. Et je dois y aller. Oui, j'ai l'argent. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. Je t'aime. Au revoir. Tiens, je t'ai ramené de l'eau et du vin. Je savais pas... De l'eau. Ok, tiens. Je vais poser ça ici. Voilà. Tu te sens mieux? Oui. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. À qui est-ce que tu parlais? Ah, c'était ma mère. Oh, ta mère? Et de quoi vous avez parlé? Dis-moi. Allez, tu pourras lui parler une autre fois. Ok, si tu le dis. Alors... Alors? Sois un gentil garçon et embrasse-moi. On s'est arrêté là, n'est-ce pas? Attends une minute. D'accord. Chérie, donne-moi juste une minute, ok? Je reviens, donne-moi une minute. Bouge pas. Oh mince. Ouvre, c'est moi. Thompson? Oui. Écoute. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Reste ici, je t'expliquerai tout après, d'accord? Non, 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 dis-moi maintenant, s'il te plaît. Je t'ai dit que je t'expliquerai après. Ne t'inquiète pas, elle va bientôt partir et on passera toute la semaine ensemble. Attends, si ce n'est pas Grace, qui est en bas? C'est quelqu'un de la famille, je t'expliquerai quand elle partira. Ok, ok, je t'attends, mais fais vite, s'il te plaît. Excuse-moi, je devais régler un truc là-bas. Alors, où est-ce qu'on en était? Erwin, je dois y aller. Désolée. Mais pourquoi? Quelque chose est arrivé. Ça peut pas attendre. Non, bébé, c'est très urgent. Bébé, je peux pas te laisser partir. Oh, bébé. Fais pas comme si t'en avais pas envie. Oh, tais-toi. Il est hors de question que je te laisse partir comme ça. Ah, bébé. Quoi? Fais pas comme si t'en avais pas envie. Allez, je dois y aller. Oui, j'arrive, j'arrive. Qui frappe comme ça encore là, hein? Ça va? Ah, madame, vous êtes venue à pied, mais où est votre voiture? Ouvre-moi, Ifioc. Ma voiture est à la station service, mon mécanicien va la ramener après. Ferme-la. Juste boucle-la. Attends, je peux tout expliquer. J'ai dit, ferme-la!
Tu n'es qu'un imbécile. Un sale menteur, espèce d'obsédé, tu m'entends, gros pervers. Pervers. Oh, Grace. Bébé, je suis désolé. Écoute-moi. Arrête. Ne me parle pas. T'es qu'une pourriture. Une pourriture, Thompson. Après ce que j'ai vu, je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Ça. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Bébé, je pense que tu devrais la laisser partir. Thompson, je t'ai dit de ne plus jamais m'adresser la parole. Et ne t'avise plus de m'appeler bébé, tu m'entends? Oh, c'est pas vrai. Hein? Bébé, ceci ne concerne que toi et moi. Je pense que tu devrais la laisser partir. Oh, vraiment? Toi là, allez, mets-toi à genoux. À genoux! Quoi, hein? S'il te plaît, aide-moi le relever pour lui donner des antidouleurs. S'il te plaît. Thompson. Attention avec le couteau. Quoi? Lève-toi! Mais doucement! Désolée. S'il te plaît, ramène-moi de l'eau. S'il te plaît. Ça va aller. Oh. Vas-y. Bon. Merci. Donc tu es infirmière. Pourquoi tu m'as menti tout ce temps? Tu m'as dit que t'étais étudiante à l'université. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis en train de l'aider? Ah.
Tu as fini. Chut. Chut. Qui est-ce? C'est moi. Toi qui? Ifyok. Ok. Ifyok. Merci. Entre. Mais qu'est-ce que tu veux? Madame. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il est blessé? Qu'est-ce que tu veux, Ifyok? Ok, je voulais vous voir car on est le 10 du mois et je n'ai toujours pas reçu ma paye. Quoi? Tu viens juste pour ça? Eh, Fiot. C'est pas le moment pour venir nous embêter, d'accord? Monsieur, ce n'est pas mon prénom et je vous l'ai déjà dit. Moi, je m'appelle Ifyok. Je t'ai dit de t'en aller. Je m'en fous de ton nom chinois Swahili, là. Va-t'en. Monsieur, je ne tolère pas que vous me manquiez de respect. Mon nom à moi, c'est Ifyok, point à la ligne. Pourquoi tu parles? Oh, Ifyok, s'il te plaît. Sors. Sors, allez, va-t'en. Alors, où en étions-nous? Ah, oui. Ah. Maintenant, rapprochez-vous tous les deux. Quoi? Rapprochez-vous tous les deux. Toi. Grâce. Ferme-la. Allez, rapproche-toi. En fait, tu sais quoi? Tu vas enlever tous tes vêtements. Quoi? Je t'ai dit de la fermer! Non mais... Tu sais quoi? Laisse, t'es trop nul, je vais le faire. Grâce, ne fais pas ça. Je t'ai dit... C'est vraiment super. Cette photo fera le buzz sur tous les réseaux sociaux. Écrivons... Une femme surprend son mari avec une autre femme. Oui. C'est vraiment super. Grâce. Silence. Je... J'ai vraiment hâte qu'Irène voit ces photos. J'ai hâte. Quoi? Irène? Quoi? Tu as peur? Tu sais qu'Irène va en faire un buzz sur les réseaux, n'est-ce pas? Ouais. Grâce. Chut. Salut, Grace. Tu as vu les photos que j'ai postées? Oui, oui, pourquoi? Tu dois être surprise, pas vrai? Je veux que tu partages ma photo et que tu en fasses le buzz sur tous les réseaux sociaux dans une heure, d'accord? Je ne veux pas que les gens me jugent pour ce que je compte faire. Je veux qu'on sache ce qu'ils ont fait. Oui. Tu sais quoi? Tu devrais venir chez moi, ok? Viens chez moi. Je t'attends. Oui. Si tu veux. C'est pas vrai. Ok, okay, tu sais quoi? T'inquiète, je vais me débrouiller. Je vais m'en occuper. Oh non! Hé! Hey, toi, viens ici! Arrête, s'il te plaît! Ça suffit! Stop! Tu vas la tuer! Tu devrais pas faire ça! Réfléchis! Arrête, fais pas ça, je t'en supplie! Ah, c'est pas vrai, c'est quoi ce bordel?
Arrête! J'aurais dû te tuer. Tu ne ressens aucune pitié pour ta mère. Elle ne t'a pas bien éduquée. Elle a échoué. Ne parle pas de ma mère de cette façon, s'il te plaît, arrête ça. Pourquoi? Ma mère est morte, hein? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par ta mère est morte? Oui, ma mère est morte. Non, non, elle n'est pas morte. Tu m'as dit que tu venais de lui parler il y a quelques minutes. Oh non, ok. Donc t'es en train de me dire que ta mère à qui tu as parlé tout à l'heure vient de mourir, c'est ça? Je n'ai jamais dit qu'elle venait de mourir, non. Elle est morte quand je n'étais qu'une adolescente. Oh, c'est vraiment triste. Tu déconnes. Ok, donc, si t'étais encore adolescente quand ta mère est morte, ça veut dire que si elle est décédée depuis des années, à qui tu parlais au téléphone alors? Réponds-moi, à qui tu parlais au téléphone? Comme si tu ne m'avais jamais menti, toi. Je ne t'ai menti qu'une seule fois. Je ne sais même plus combien de mensonges tu m'as dit. Premièrement, tu es infirmière et non pas étudiante. Et maintenant, t'es en train de me dire que ta mère est morte et que tu avais quelqu'un d'autre au téléphone, c'est ça? J'ai l'impression que t'es en train de te foutre de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu me caches? Hé, je suis toujours là, vous m'avez oublié? Attends, il faut qu'elle réponde aussi à mes questions. J'ai le droit de savoir. Je veux qu'elle me dise avec qui elle était au téléphone, cette menteuse. Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est quoi ton mot de passe? Je t'ai demandé, c'est quoi ton mot de passe? Dis-moi, ou bien je vais t'arracher les yeux, je te jure. 73. 60. 13. Oh, waouh! 13 appels manqués? 13 appels manqués? Comment ça se fait que je l'ai pas entendu sonner? Oh merde! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, dis-moi! Tais-toi! Ferme-la, je t'ai dit! Eh bien, puisque... Ferme-la, toi. Elle a beaucoup trop d'appels manqués sur son téléphone. Regarde, dis-moi, tu as 13 appels manqués de la part d'un certain Nkem. Alors, c'est qui ce Nkem, hein? Nkem? Mais c'est qui, ça? Ça ne te regarde pas. Tu... Tiens. Donc c'est lui la personne à qui tu parlais. C'est qui celui-là? Reprends-le. Je t'ai fait confiance. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Oh. Donc, tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai partagé avec toi, tu lui as donné. Tout ce que tu as fait, ça me brise le cœur. Oh. Donc, on devrait juste tout révéler
Une bonne fois pour toutes. Ça vaut mieux pour nous. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Commence, vas-y, je t'écoute. Oui, oui. Je suis complètement d'accord. Oui. C'est à toi de commencer, espèce alors, de garce. Il est temps de nous dire qui ou qu'est-ce que tu caches dans cette chambre là-haut. Hein, Thompson, dis-nous tout. Je ne cache rien. Je t'ai suivi. Bébé, elle ne dit pas la vérité. Tu ne vas quand même pas croire cette menteuse. Tu mens, je t'ai vu. Je t'ai suivi, Thompson. À quel moment est-ce que tu m'as suivi? Et j'ai tout entendu. J'ai entendu tout ce que tu disais. Où est la clé de la chambre des invités, hein? Elle est fermée à clé. Oh, où est la clé de la chambre des invités? Je sais pas. Qu'est-ce que tu caches là-bas? Je sais pas où elle est. Tu as intérêt à me dire la vérité ou bien je te jure que tu verras une autre facette de moi, Thompson. Crois-moi, je sais pas où elle est passée. Je l'ai pas vue. Oh, ok, très bien. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Merde. Alors, Thompson, tu es en sueur, dis donc. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais pas de conneries, bébé. Bébé, il n'y a rien, je t'assure. Ne me cherche pas, ok? Une sale garce! Comment tu as pu me faire ça? Je suis désolée. Non, non. Ne dis plus un mot. Non, non, non. Allez, viens ici, Irène. Je vais te faire la peau. Je suis désolée, je suis désolée. S'il te plaît. Où est l'autre traînée, hein? Où est-ce qu'elle est? Dis-moi. J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien, hein? Tu me fais peur, s'il te plaît, éloigne ce couteau de moi. Menteur! T'es qu'un sale menteur, chut, menteur! Grace, je suis désolée! Chut! Ferme! Chut! Chut! Va voir, toi! Ferme ta grande bouche, Irène! Chut! Tais-toi! Qui est là? Monsieur, c'est Ifyok. Ah! Arrêtez, monsieur! T'as compris? Aïe, aïe! Tout le monde debout! Allez, levez-vous! Les mains en l'air! Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait avec un flingue? Ifyok, mais qu'est-ce que tu fais avec une arme, hein? Taisez-vous! Toi, bouge de là! Attends, attends. Madame, c'est un faux! Quoi? Mais c'est juste un faux, je vous dis. Quoi? Madame, arrêtez, s'il vous plaît! Ne me refais plus! Jamais! Ça, attends, madame. Chien, tu m'as fichu une de ces trous. Arrêtez. Chien.
vrai, va-t'en. Mais va-t'en, allez, vas-y. Madame. Va-t'en. Aïe. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'a frappé comme ça, hein? Non mais c'est pas vrai ça, c'est lui qui la trompe. Oh, maintenant j'ai vraiment mal à la tête, elle m'a sûrement fait un truc au cerveau. De toute façon, j'en ai marre de bosser pour eux, pour ces riches là. Je vais changer de travail. Ma mère m'avait prévenu, je le savais en plus. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Homme à tout faire, je savais que c'était pas pour moi ça. Il fioque. Oh, c'est vous, madame? S'il te plaît, viens voir. Vous n'êtes pas encore partie? S'il te plaît, viens voir. La porte? Oui, la porte. S'il te plaît, ouvre-moi la porte. Attendez. Pourquoi je vous ouvrirais, moi? Je travaille pas pour vous, après tout. Hein? Monsieur Thompson, il a le droit de coucher avec vous, hein? Et moi, j'ai même pas un bisou. Ok. Mais moi, je voulais sur la bouche. Ok. Ça va, je vous ouvre. Dépêche-toi. Allez. Oui, ça vient, ça vient. S'il te plaît. Merci. J'ai eu un bisou de ma jolie Grace. Ah, c'était trop doux. Ah, Ifyok. Ah, si on m'avait dit que j'allais trouver l'amour aujourd'hui. Eh, ma chérie, reviens ici. Tu connais pas Ifyok, le célèbre coureur de jupons? Yay. Si seulement elle m'avait embrassé sur les lèvres. Si seulement elle m'avait embrassé sur les lèvres. Aïe. Je pense qu'on devrait vraiment virer ce gars. Il fait mal son travail. Où est-ce qu'elle est? Non. C'est toi qui l'as aidé à s'enfuir. C'est non, toi, hein? Non, c'est pas moi. C'est Ifyok qui a fait tout ça. Non. Elles se sont enfuies. Et tout ça, c'est ta faute. C'est pas ma faute. Non. C'est la faute d'Ifyok. C'est lui qui les a aidés. C'est quoi, ça? Quoi? C'est quoi? Ah, mince. Oh, non. Oh, mon mari est ici. Non. Moi? Toi. Je parle de mon mari et toi, tu crois qu'il s'agit de toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par ton mari? Oh non. Oh mon Dieu. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est pas possible. Non, je peux pas y croire. C'est quoi cette histoire? Chut! Laisse-moi réfléchir, tu veux. Ok. Écoute, je ne suis pas la propriétaire de cette maison, ok? Je t'ai menti. La maison appartient à mon mari. Ainsi que tout ce qu'il y a dedans, ok? Je suis désolée. Je vais tout te raconter. Mon mari vendait de la drogue. Il s'est fait beaucoup d'ennemis dans le milieu et on a décidé de quitter la ville. On devait déménager pour échapper aux ennuis, je comprends. Quand on est revenu, il s'est fait emprisonner. Il en a eu pour 7 ans à cause de son trafic de drogue. Mais ensuite, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il ne devrait pas être là. Je ne comprends pas pourquoi il est sorti. Attends. Il était trafiquant de drogue? Oui, et il aurait dû faire ses 7 ans de prison, je ne sais pas, je ne comprends pas. Oh mon Dieu, il est là, non. Oh, ça sent pas bon du tout, tout ça. Ok, écoute, je suis une femme seule dans un appartement, mon mari a laissé un vide énorme, tu comprends, j'avais besoin de quelqu'un pour combler ce vide, et puis je t'ai rencontré, il s'est passé ce qui s'est passé, tu voilà. Tu m'as utilisé? Chut, juste, il faut que tu t'en ailles, va-t'en, vas-y. Prends tes affaires et va-t'en, avant qu'il n'arrive, dépêche-toi. Va te cacher ou alors, je sais pas, mais vas-y, il faut que tu t'en ailles, sinon il va te tuer, c'est sûr, je t'assure. Vas-y, dépêche-toi. Mais va-t'en, mais qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y. Et pour Ifyok alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'il va pas cracher le morceau? Laisse Ifyok tranquille, c'est moi qui le paye, ok? Allez, va-t'en. Va-t'en. Allez. Va-t'en, c'est pas vrai, va-t'en. Salut bébé, tu m'as tellement manqué.